Christmas. We back again. La vache, je me crois dans une épopée là, hein. Mais en fait pas du tout. C'est juste que j'enchaîne une troisième vidéo. Après les deux missions bonus, on va cette fois-ci s'attaquer au cœur du cœur du cœur du heart du heart. C'est-à-dire on va vraiment jouer au jeu principal. Mais avant toute chose, c'est l'heure des médicaments. Tout à fait, oui, des médicaments. Avec un petit bonbon, hein. Alors ne m'en veuillez pas. Hein. Allez, je crois qu'on est ready. Est-ce que vous êtes ready? La capture, ça va. Le son. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Ok, eh ben ça y est. En mode survie, je sais pas jouer au défi. Ah, t'es des défis. Bon. Allez, cette fois-ci, on est vraiment parti. Alien isolation. Commencer la partie. Détecteur tête. Jouer avec la détection des mouvements de la tête permet à la PlayStation Camera... Non mais je n'ai pas la PlayStation Camera. Donc 100. Détection de bruit. Non mais 100. Il m'énerve là. Difficulté intermédiaire. On est très très bien comme ça. Au niveau de la luminosité. Ok, on est ready. Temps de chargement. On va voir ce que vaut vraiment le jeu maintenant. On n'est plus dans les DLC. On n'est plus dans les missions fanservice. On attaque le gros morceau de jambonneau. Temps de chargement land. Ah, ça y va quand même. Prends ton temps surtout, prends ton temps. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Et donc je confirme, ce n'est pas la doubleuse officielle de Sigourney Weaver. Là c'est sûr. Mais la voix était correcte quand même. Hein. Ça va, c'était pas immonde. Ne crachons pas sur tout, mesdames et messieurs. Nous sommes bien élevés ici. Ripley ? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anessidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta. Wow, comment ça rame? Ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès. Je sais libre. Ce que c'est. Le transfert est déjà arrivé. Mais attendez, c'est un bug qui vient de moi là ou ça rame grave? Il y a des saccades de ouf, hein. Notre voyage vers la station. Notre? Moi. Putain. Et un autre employé. Des sacs à deux ou dans la première cinématique du jeu quand même. Hein.
Ça augure que du meilleur Ripley, pour la suite. quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Pas mal fait les visages quand même. Un peu plastique peut-être, mais j'aime bien la DA. C'est pas mal fait. Et donc voilà, nous venons de voir Amanda Ripley. C'est marrant parce que Amanda Ripley, donc la fille de Ellen Ripley, de mémoire dans toute la saga, on en parle uniquement au début de Aliens. Alien 2 donc, hein. Quand Burke évidemment vient annoncer à Ripley qu'elle est morte. Oula, mais on est en petite culotte. Ça devient intéressant. Ouais, et donc c'est marrant que là, ils ont fait un jeu entièrement centré en fait autour du personnage de Amanda, alors que dans la saga, on en parle 30 secondes, quoi. C'est rien du tout en fait. Ah oui, c'est ça. Je me suis pas trompé. Comme quoi j'ai l'œil, hein. Un esprit de déduction peu commun. Voilà, donc attendez, là on m'avait déjà dit un truc. Se connecter. Là, on m'avait proposé. Voilà alors, explorer le Torrens. Welcome, Amanda Ripley. Putain. Ce que j'adore. Oh, excellent. Déjà, l'ambiance sonore nous happe. C'est juste énorme. Tous les petits effets directement repris du film, c'est complètement énormissime. Donc là, vous l'avez compris, on n'est plus dans le Nostromo. Hein. On est dans quoi? Le Torrens, c'est ça? Ah, mais s'habiller. Ah, ben non, non, je vais pas m'habiller en fait. Merde! Je voulais pas m'habiller. Bon, de toute façon, j'imagine qu'en fait, on devait être obligé. Objectif. Ah, mais non, en fait, c'était notre objectif. Loul. Verlaine, Connor. Alors, on a Sarah avec nous. Ça, c'est très très bien. Samuel, Taylor, Ripley. Torrens. Ah, attendez, on peut l'utiliser. Et quand on l'utilise, il ne se passe rien. Ah non, c'est pour l'éteindre. Ah d'accord, on peut éteindre les écrans. Mais c'est rigolo! C'est rigolo! On va les s'allumer. Ok. Du coup. Ah, attendez, il y avait un truc. Il y avait une interaction. Non? Bon, ça doit être ça. Alors attends, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Je peux me baisser. Alors par rapport aux missions bonus, non, hein. Ce qui est logique en même temps. Voyons. Ah, on a quand même accès à la map. Voilà, c'est ça, c'est le Torrens. Donc là, on est dans un vaisseau qui s'appelle le Torrens. On est sur le pont A, on doit explorer le Torrens. Ok, et là en face de moi, qu'est-ce que c'est ça? Accéder au terminal. Manquer de peu. Verlaine, tu cherches un officier navigateur? J'ai un ami qui vient de perdre son vaisseau et il est à la recherche d'un boulot. Je peux me porter garant. Il a un dossier solide. Toujours le même refrain. Les grosses multinationales l'ont bouffé. Ils ont racolé tous ses clients. C'est de plus en plus dur pour les petites entreprises de décrocher des contrats. Et je songe même à me retirer du business tant que j'ai encore un truc à vendre. On dirait que ça va quand même bien pour toi. Je suis passé au doc et j'ai entendu dire que tu venais te barrer. Sébastopol, hein? Trop du cul du monde. Enfin, et il paraît que la Wayland Yutani paye bien. Bonne chance à toi. Tu connais la chanson. Si tu peux pas les battre, autant les rejoindre, pas vrai? Faudrait qu'on se capte à ton retour. Blaine. Quoi? Blaine. Blaine. La Wayland Yutani. Mais on connaît ça. Bon. Bon, ils veulent qu'on visite tout.
Loul. Alors, il y a les chiottes qui marchent pas. Mais j'ai envie d'aller. Ah, mais si, en fait, je peux y aller. On peut interagir avec les chiottes. Voilà donc les chiottes du futur. Il n'y a pas de grand changement, hein. Mais où sont les trois coquillages alors? Voilà, c'est ça la question. Où sont les trois coquillages? Parce que je vois pas de PQ. Du coup, il y a forcément les trois coquillages. Vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Ah! C'est quoi ça? Ah, c'est la douche! Quoi? Mais on s'est habillé! Énorme! Oh non, attends, attends, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Ah, complètement épique! Énorme! Alors, attends, attends, alors on s'habille. Et ensuite, la douche. Ah, mais c'est comme ça ici. Dans le futur, voilà exactement comment on fera. D'abord vous habiller et ensuite on passe à la douche. Mais c'est comme ça, hein? On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Bon. On va partir. Alors, droite. Alors, voyons. Je dirais donc. Ouais, donc c'est gauche. Ouais, c'est par là. Ok, go. On va run. Eh mais en fait, eh, vous savez quoi, j'ai l'impression que c'est comme le Nostromo, sauf qu'ils ont un petit peu changé les couleurs et un petit peu le design. Eh mais en fait, c'est comme le Nostromo. Énorme. Énorme. On peut pas y aller là. Tout comme moi, j'adore le design. Ça fait tellement... comment on veut dire? Ça fait science-fiction, mais ça fait rétro-science-fiction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est génial, quoi. Taylor, bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Je vais le rejoindre. Ah ouais, c'est exactement le même vaisseau en fait. Regardez, même elle, elle est assise exactement comme était assise Lambert. C'est énorme. En fait, c'est le même modèle. Ils ont sûrement changé que le visage. C'est énorme. Énorme, la table elle est pareille. Tout est pareil, ils ont juste un petit peu modifié. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si le vaisseau est de la même catégorie que le Nostromo, ben c'est logique, hein, c'est normal. Hein, donc, ce n'est pas choquant. Encore au terminal, j'en suis pas. Est-ce que je suis obligé d'y aller là? Je sais pas si c'est possible. Bon, voyons. On va voir. Ah, mais il y a aussi ça à partager là. Donc, personnel. Eh ben, il se met plus. Alors, incident du Nostromo. Ah, voilà qui est intéressant. Donc, c'est Taylor qui parle? Non, c'est A. Taylor. Ok. Hé, Taylor, j'ai votre requête de dossier. Il va me falloir un petit moment pour éplucher les fichiers. Et l'incident est survenu avant que j'arrive à la compagnie. Du coup, les détails m'échappent un peu. En 2122, le vaisseau de marchandises de la Wayland Yutani, le USCSS Nostromo, a disparu. On n'a trouvé aucune trace de sa charge ou même de son équipage, excepté le nouvel officier scientifique. Le reste de l'équipage avait déjà travaillé ensemble auparavant. Ils étaient au nombre de 7. Donc ça m'étonne ça. Ils sont en train de dire que H, il était nouveau dans l'équipe. Attendez. Ah ouais? Ouais, possible. Pas le souvenir de qu'ils en parlent dans le film de ça, tiens. Tu as déjà fait un voyage avec H avant celui-là? J'ai fait 5 voyages avec un autre officier scientifique. Il l'a remplacé par H 2 jours avant que nous ne quittions Tedus. Je n'ai pas confiance en lui. Moi, je n'ai confiance en personne. Dallas Capitaine, H, officier scientifique, Kane. À moins que ça soit Kane.
Kane plutôt, second officier. Non, non, c'est Kane. Ripley, lieutenant. Lambert, navigatrice. Parker, chef ingénieur. Brett, technicien. Pauvre Brett. Il était courageux quand même. La Weyland Yutani a perdu énormément d'argent. Ça fait un peu tache sur son historique. J'ai l'impression qu'ils évitent de le mentionner. Enfin, je vais essayer de trouver les fichiers plus tard, histoire d'éclaircir quelques points. Si vous voulez, je peux vous filer un coup de main pour les tuer. Non, pour les trier. Peut-être que votre chance déteindra sur moi. J'ai entendu dire que les chefs vous veulent sur un truc important. Saul. C'est Saul Goodman. Ah ouais, il est là. Il s'est reconverti. Bon. Putain, c'est vachement classe, je trouve. Ah ouais. Et quand même, le niveau de détail est quand même... Ah, on peut pas y aller. Est quand même assez sympathique. Alors, il faut aller où, là, bordel? Je sais pas, moi, je vais continuer, on va aller à droite, en bas. Ah, voilà, non, c'est là, je suis con, c'est marqué en gros, tu sais. Parler à Samuel. Le truc, il est marqué en gros et moi, je fais rien. Loul. Let's go. Ouais, c'est vachement classe. Attends. Ouais, c'est bon, c'est par là. Vachement classe. Je m'imagine déjà avec l'alien ici, hein. Alors, ça doit être par là. On va run. Hein. Ah, mais je peux même pas courir. Oh là, on peut pas courir. Attends, est-ce que c'est lui, Samuel? Samuel? Ripley. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. On a discuté. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis d'ordre légal. Pia. On est arrivé. Bon, donc là, si j'ai bien compris, il y a un vaisseau qui a trouvé, j'ai bien compris là, la boîte noire du Nostromo. Déjà, c'est un petit peu du WTF là. Et donc nous, on va voir le vaisseau, c'est ça, qui a capturé, enfin qui a trouvé la boîte noire du Nostromo. On sait pas trop comment ni rien, c'est un peu chelou pour l'instant. Ils veulent qu'on aille où? Ok, là-bas. Allez, on y va. On a assez perdu de temps, là. Let's go. Ah oui, c'est exactement comme le Nostromo. C'est identique. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. Oula. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti, au boulot. Vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé et calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Ramassez votre briefing, il doit être là, j'imagine. Et voilà. Le ramassage de briefing le plus rapide ever. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de laquelle sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Ripley, ici Wave, marshal de la colonie à Sébastopol.
Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Putain, mais que ça rame, c'est complètement dingue. Venez. Mon contrat parlait pas de foutue sortie. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, mais là, quand même, c'est la deuxième cinématique et... Ben, c'est même pas que ça rame, c'est qu'il y a des saccades durant les cutscenes. Putain, ça a pas bien été finalisé, ça. Bon, donc là, donc, on va sortir vers la station. On va rejoindre... Comment elle s'appelle déjà, la station? J'ai oublié le nom, tiens. C'est pas mal fait, quand même. C'est pas mal, tout ça. Ripley, tu t'en sors bien, Taylor. Taylor, Ripley, tenez-vous. Ah, quand même. Pas de panique. George Clooney n'est pas loin, je le sens. Je sens qu'il va arriver pour tous nous sauver. What else? Ah, pas mal là, franchement, bonne séquence. Je m'attendais pas. Ça part en couille dès le début. Et un petit temps de chargement. Oui, je m'y attendais pas là. Et donc ceux qui étaient avec nous, ils sont morts. Par contre, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Pourquoi ça a explosé? J'ai pas vu. J'ai pas compris. J'ai pas vu ce qui s'était passé en fait. Il y a eu un accident, il y a eu une explosion, mais j'ai pas pigé le pourquoi de cette explosion ni rien. Enfin, en tout cas, ça commence direct, nickel. Bon, on est de suite mis dans le bain une fois de plus. Donc là, on a rejoint la station, du coup, où on est revenu à notre vaisseau, parce que je ne sais pas, là. Des gros loadingues, oui. On a des gros loadingues. Ah, génial! Il voit à travers le casque, excellent, bonne idée. Trouver de l'aide, tu m'étonnes. Ah, ok. On a posé notre scaphandre, c'est sympa ça! C'est dommage qu'on puisse pas le reprendre quand on veut, apparemment c'est complètement scripté. J'aurais préféré qu'on puisse vraiment prendre un scaphandre quand on veut. Et ce qui aurait été vraiment génial, c'est qu'on puisse vraiment sortir et aller dans l'espace. Peut-être qu'on aura des séquences comme ça. J'adorerais ça si c'était le cas. Utilisez les bandes d'enregistrement pour sauvegarder votre progression, vous serez averti si des ennemis sont proches. C'est où les bandes? C'est là? Les bornes d'enregistrement... Des petites bornes. Alors, un truc à choper. Détecteur. Ah, mais attends, détecteur. Ah non. Attends, détecteur. Je peux rien faire, j'ai même pas accès. Ah si. Ah non. Je pensais que j'avais chopé le détecteur, non. Mais oui, mais les bornes, c'est ça les bornes. Non. Oh, j'en sais rien. On a accès à la map. Non, ce qui est logique en même temps. Hein. Ah donc on est... Terminal des vols spatiaux de Sébastopol. D'accord, ok. Donc on n'est plus dans notre truc. Bon, du coup là on visite complètement. Ok, c'est parti. Oh là. Oh.
Ah, je peux courir. Ah, je crois qu'on est revenu à notre point de départ là. Ouais. On peut pas y aller. Attends. Ah, c'est ça, d'accord, c'est ça pour sauvegarder, ok. Comment j'ai fait pour ne pas le voir tout à l'heure? Écraser données, oui. Oh, ça va, c'est rapide, ok. Alors, du coup, ben non, parce que là-bas on y a été, il n'y a rien. Donc, là, j'imagine qu'on ne peut pas y aller à cause des flammes. Ah, ben là, on peut pas y aller, c'est un cul-de-sac, donc on passe par là. On doit pas trop avoir le choix. Allez! On passe par les conduits de ventilation. Oh, un petit peu de physique. Non, on a pété là. Ah non, on l'a pas pété, c'est... Parfois, il y a la lumière qui s'éteint. Alors, par contre, là, si on rencontre l'alien, parce que j'imagine que l'alien est là, et dans les parages, et sur ce vaisseau... Par contre, ce que j'espère, c'est que tout sera expliqué. Parce que déjà, le fait qu'il puisse y avoir un alien ici... c'est quelque chose... Ouh, la tension. Le vaisseau est en train de partir en ruine. C'est vachement réussi visuellement. Je trouve que ça a vraiment un cachet. Ah ouais, moi je trouve. Vraiment. Ça me plaît. Alors, fichier corrompu. Y'a rien. Fichier partagé, démantèlement. Bon les enfants, vous avez déjà sûrement entendu les bruits qui courent au sujet de Sébastopol. Je ne peux que vous confirmer. Cet officiel Sébastopol est mis hors service. Elle est où placée? Mal. Je sais que le démantèlement ne veut pas dire pêche à ligne. D'accord, si tu veux. Bon. Apparemment, du coup, on aura plein de données comme ça à lire. Pour en apprendre plus. Sur ce qui s'est passé ici, l'équipage. Et tout et tout. On va où là? Employé only. Oula, je peux passer là? Oh! Et je me suis douté en plus. Allez, relève-toi, mandat du nerf. C'est pas une partie de plaisir. Bon sang. Un petit fumigène. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal, un petit fumigène. Même si on n'a pas encore compris à quoi ça pouvait bien servir. Maintenir un pour ouvrir l'inventaire, utiliser L pour sélectionner des objets. Ah. Ah bah oui, le fumigène, oui. Mais pourquoi j'allumerais mon fumigène là? Attendez, à quoi ça pourrait me servir là? Alors. Ah ok, on passe par là. C'est bizarre, il me propose. Ouais, il me propose d'allumer le fumigène, mais quel intérêt. Tiens, il y a des tags ici. Ça c'est un peu étrange par contre. Someone know, quelqu'un sait. Always no working Joe. Alors ça par contre ça m'étonne. Forgotten. Stranger. Putain j'arrive pas à lire. Will be quoi? Will be shoot. Les étrangers seront shootés. Oula, mais j'ai pas trop envie de me faire shooter moi. Mais il y a des méchants ici. Il y a eu la révolution ici, dites donc. Là, j'arrive pas à lire.
Non, j'arrive pas à lire et là, j'en sais rien. Bon, c'est un peu le bordel de partout. Je sais pas du tout où je vais. Allez, on va grimper. Là, je vais dans l'inconnu. Je sais pas trop ce que je dois faire ni rien. On ramasse de la camelote. ça me fait marrer. On ramasse de la camelote. Et je sais pas ce que c'est en plus, c'est même pas indiqué sur l'inventaire. De la petite camelote. Hein. Continuons à avancer. Oula. Léo, y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un à part Monsieur l'Alien? Moi, j'aime pas trop les aliens. C'est quoi ce truc? C'est la station? Non, c'est quoi? Attends. Attendez, on peut activer un truc. Ah mais non, je suis con, c'est mon fumigène là. C'est quoi ce truc? C'est la station ou... C'est bien réalisé quand même. Alors attends, on peut aller là-bas. Là. Bon, j'imagine que quand c'est... Oh ok, donc c'est ça. À rétablir le courant, ah d'accord. Quand c'est rouge, on peut pas y aller. Oh là, mot de passe requis. On peut quand même regarder un petit peu dedans. Hop, hop, hop. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois? Tu me vois? Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois plus, tu me vois. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Bon, arrêtons les conneries. Allons par là. Donc du coup, on va grimper. Pour l'instant, c'est pas du tout où sont les équipages. Où est l'équipage? Utilisez ces terminaux pour mettre à jour la carte. D'accord. Alors ces terminaux. De quoi il me parle lui? Il n'y a jamais rien qui marche ici. Restaurer le courant du store. Utiliser ses terminaux. Il parle de ça. Ça c'est quoi? C'est pour remettre le courant. J'ai l'impression que oui. Bah alors ça marche pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il fallait faire 3 fois. 2000 kilojoules. Générateur. On se croyait dans Jurassic Park, dis donc. Oula, je sens qu'il va se passer un truc là. Accéder au terminal. Alors, déplacer notre planque. L'anglais, si tu cherches notre stock, je l'ai bougé. On s'en fout un peu de ça, hein. Tu l'avais laissé en plein milieu. Voilà, bordel, tu sais ce que j'ai dû me farcir pour l'avoir. Je l'ai planqué dans un CKJ vide. Tu devrais pouvoir retrouver le code C. Oh là, attendez, le code C. Ah, tu vois, vous voyez, je dis des conneries. Donc 0340. 0340. Le code, c'est 0340. C'est peut-être le code pour le truc tout à l'heure. T'en fais pas, personne descend au terminal. Pas pressé, passé autre chose, on n'a plus de médoc. Et on est presque à court d'eau. Il va falloir que tu en ramènes, c'est ton tour, ça t'apprendra peut-être à mieux prendre soin de nos affaires à l'avenir. Anna. Mais où es-tu, Anna? Bon, 0340. Ah, je peux couper le courant? Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Wait, terminé. Non. Non, je ne peux pas couper le courant, c'était juste une conversation. Alors, mais non, rétablir le courant. Mais je l'ai rétabli, non? Là, je l'ai pas rétabli avec ça. Bon. Ce qu'on va faire, on va revenir là-bas. On va voir si le code nous sert au machin là. Je me promène avec mon fumigène. Tout est normal. Voyons. Ah oui, je sens que c'est ça. Alors voyons, 03. Hop. Mais non. Mais non, mais qu'est-ce que... Saloperie. 0, 3,
40. Ah ben c'était ça. Si ça c'est pas de l'esprit de déduction un peu commun. Je sais pas trop ce que c'est. Un medikit. Vous voulez trouver un schéma. Utilisez-le pour accéder au menu de fabrication et le construire avec les éléments ramassés. On va faire ça. Alors le menu de fabrication. Putain, c'est un petit peu la merde ce menu. Niveau ergonomie, on repassera. Eh ben. Voilà. Putain, mais là. Ah, attendez, mais ça. Comment on est censé comprendre ça? Putain, faut être Einstein pour comprendre ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Pistolet seringue. Putain, mais attendez, j'y comprends que dalle. C'est super complexe ça. Apparemment, faut plusieurs trucs pour faire un medikit. Je sais pas. Eh, c'est vachement étrange. Là. Encore de la petite camelote. Et. Là, il y a un truc. Encore de la petite camelote. Et. Ah, mais en fait, ça doit être ça, la camelote. Voyons. Non, c'est pas des trucs pour ici, la camelote. Ah, regardez en bas. Camelote. Ah, c'est peut-être de la monnaie ou un truc, tiens. Ah, ça doit être l'argent, un truc du genre. Ouais, pour faire les améliorations, ça doit être ça en fait, ok. Par contre, c'est tout. Encore de la petite camelote. Ah, mais en fait, c'était pas par ici. Ah, c'était qu'une salle bonus. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Rétablir le courant. À mon avis, j'ai pas dû trouver, j'ai pas dû... d'avoir quelque chose à faire là-haut. Ce qui m'étonne, c'est que j'avais l'impression de l'avoir remis là. Alors ça veut dire que c'est ici. Là, il faut sûrement remettre le courant via ce truc. Attends. Ah, utilitaire là. Mais non. Ah, mais si. Ah, mais putain, il faut le savoir, d'accord, ok. Oh, c'est quoi ça? Ah, oh là, deux. Oh, il y a deux bonhommes qui courent. D'accord, ok, on a vu deux bonhommes courir. Oh la vache, ce ramage. Saccade de ouf, oh là. Je me demande si je peux mourir avec ça. Oh! Et bien voilà, j'ai la réponse. Mourir, non. Mais je suis failli. Ah, voilà, on voit notre barre en bas. Maintenant, je comprends pourquoi on a des medikits. Maintenant, je comprends. Eh, mais c'est immense, en fait. Eh. Tomorrow égale no together future. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, je me le demande. Ils sont tous devenus fous. RIP, Sévastopol. Elle est... La petite musique a directement repris du film. Oh, excellent la planète. Oh, et c'est pas un JPEG, on la voit tourner. Excellent. Ça le fait. Alors voyons. Elevator, gift shop. Ouais. On sait pas trop où aller quand même, on est vraiment perdu. C'est grand. Porte fermée. C'est immense. Ouais, mais écoutez, on va continuer à avancer. Attendez, il y a quoi à ma gauche? Voyons, on va juste faire un petit tour en haut. Là. Oh, c'est quoi ça? Attends. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est mon vaisseau! Je suis là! Je suis là! Verlaine! Ah, il se casse! Eh, pourquoi ça se ferme? Putain, merde!
Qu'est-ce qui se passe, putain? On y comprend que dalle. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans ce vaisseau. Quelque chose me dit que l'alien ne sera pas notre seule difficulté ici. Attends, ça me dit d'aller où là? Ouais, par là, mais j'ai envie d'aller voir par là. Il y a peut-être des trucs à ramasser ici. Non. Pas des trucs à ramasser ici, ça sent les trucs à ramasser là. Ça sent les petits trucs à ramasser ici. Tiens, ça c'est quoi ça? Là. Ah t'es, j'adore ce jeu là, avec les palais. Je suis une vraie bête. Et ça c'est quoi? Ah mais c'est pour sauvegarder non? Ah non. C'est quoi ça? C'est pour remettre le courant non? C'est ça, c'est encore un générateur? Hop. Ah mais d'accord, en fait on a re... C'est-à-dire que quelqu'un était venu ici alors? On a rouvert les volets, ça veut dire que quelqu'un était ici pour les virer? Non, on a pas... Ah mais non, en fait on n'a pas du tout rouvert les volets. Non, on a juste remis le courant. Oh, c'est bien fait ça. Pour sauvegarder. Encore le terminal. Eh oh, ça commence à bien faire là. Zoé, je suis désolé, mais je n'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Tu n'es pas sans savoir que la boutique bat de l'aide depuis quelque temps déjà, et je ne pourrai plus retenir les créanciers plus longtemps. Il y a simplement personne qui ont dit qu'est-ce qu'on en a à foutre. Il n'y a pas que nous. Ok, on est dans le rouge. Ouais, on s'en fout complètement. Qu'est-ce qu'Apollo? Apollo et l'IA, centrale qui surveille et assiste tous les lambdas de Sixon sur Sébastopol. Elle fait également toutes les communications sur la station. Où que vous soyez, vous êtes entre les bonnes mains. Sixon ensemble pour demain, Sixon Corp. Ouais, si tu veux. Bon, ça commence à gonfler là. Il n'y a que dalle ici, si. Voilà. Allez, on va sauvegarder du coup. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu mollasson. Oui, on écrase. Quand on nous demande si on veut sauvegarder, faut pas mettre l'option non en premier, mais l'option oui, s'il vous plaît. Bon, mais du coup, on va remonter. Allez, on va là-haut. Il ouais, n'y a plus personne. Je vous demande vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Ah, merde, on peut pas passer. Ah, quoique... Je sais pas, je vois un truc vert là-bas. Ça m'intrigue ça, voyons. Ah ouais, ils ont construit comme ça des barricades. Ah mais non, pas du tout. Non, ça s'est effondré de là-haut. J'allais dire, ils ont construit des barricades pour éviter l'alien, mais non. Ça s'est effondré. Mais je sais pas du tout où je vais en fait. Ah ouais, mais y a rien en fait ici. Merde, attendez. Qu'est-ce que j'ai pu... Voyons là. Non, alors là-bas il y a une espèce de terminal encore. Non, je peux rien faire. Je vais revenir là-bas juste. Voir ce que j'aurais éventuellement pu rater. M'étonne que ici ce soit ouvert pour rien quand même. Mais il faut croire que oui. Ou alors attendez. Vu que tout à l'heure avec le terminal là, on a quand même remis l'électricité. Ah mais non, parce que là c'est pas un utilitaire, c'est juste des infos donc... voyons les employés... Non. Et s'il y avait un code ou un truc, ce serait marqué en bleu comme l'autre. En fait on est bloqué, je peux pas y aller en bas. Attends. Ouais, on est bloqué par une saloperie de mur invisible.
Leila. Leila, c'est bloqué. Leila, y a rien à faire. Bon. Bah, c'est un peu bizarre. On va repartir. Il me semble qu'il y avait une autre sortie. Un peu étrange qu'on nous propose de venir ici pour rien, mais bon. Pourquoi pas. Attendez, comment je suis venu ici, moi? C'est là-bas. Ouais, c'est là. Voilà. Donc, il y a peut-être un autre endroit qui s'est ouvert. Ah bah attendez, là-bas, c'était fermé tout à l'heure. C'est toujours fermé. Décidément, celle-là, elle ne veut pas s'ouvrir. On va aller voir ce qui se trame là-bas. Hop là. Et non, c'est fermé. Soudeur ionique requis. Ouais, ça, on l'a vu dans les trailers. On va pouvoir souder. Ben merde alors. Bon, en fait, tiens, mais il n'y a que dalle ici. Écoutez, je vais repartir. Non. Donc là, il faudra que je revienne quand j'aurai de soudeur ionique. Bon. En espérant qu'il y avait un autre passage ici. Hop. Là, y a rien. Bah oui, en bas, je suis con moi. Bah oui. Et là, y a deux passages. Eh oui, y a à droite et puis y a à gauche. Alors, on va tenter à droite. Voilà, on prend tout ça. Ah non, on peut pas y aller. Alors, on tente en face. J'ai l'impression qu'on ne peut pas y aller non plus. On prend des fumigènes. Et qu'est-ce qu'il me dit? Et il me dit que dalle, c'est rouge. Zut, flûte, caca, boudin. Alors, lui là, il s'est allumé. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Ben merde alors. Attends, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ou alors faut que je revienne en fait. Ouais. Donc là j'y étais, c'était juste une cache, une espèce de salle bonus. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Bon, bah écoutez, on va revenir. Donc du coup c'était ça, ça devait être par là. Voyons. Ça m'étonne un peu, voyons. Alors les zones vertes, c'est quoi? C'est les zones où on n'a pas été? Ça m'étonne un petit peu quand même de revenir comme ça. Voyons. Je regarde juste, mais c'est quand même très étonnant. Ouais, surtout pour un jeu d'aujourd'hui, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, je suis là. Est-ce qu'ici il y aurait un truc? Est-ce que je pouvais y aller en bas là? Je suis là. Ah, mais si en fait j'ai pas été là. Attendez. Ah mais si, je suis venu par là. Je crois que je suis venu par là. Voyons. Ah non. Non. On n'était pas venu par là. Alors est-ce que je peux... Putain, c'est un truc de ouf. On ramasse plein de conneries, mais j'ai 4 fumigènes. Je suis un petit peu bloqué en fait. Ah non, c'est pas par là, non. C'était juste pour choper ça là. Ah non, y a rien. Non, y a rien, y a rien, faut repartir. C'était encore un truc bonus, dis donc. Incroyable. Alors du coup,
Ah, attends. Mais Lou, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. Hein. Ah! Ah, d'accord. Donc là, on a abaissé ça. Ce qui est un petit raccourci. Peut-être que du coup, ça aurait baissé quelque chose à côté, ça. Pas l'impression. Non. Non. Bon. Ouais. Il y a forcément un truc que j'ai pas vu là. Et mais c'est ouf le nombre de trucs à ramasser dont on sait même pas à quoi ça sert quand même. Voilà, en fait c'est par là que je suis venu. Ce serait très étonnant qu'il faille repartir. Non, c'est pas possible, non. Non, je peux pas le croire. Non, il y a un truc que je n'ai pas vu. Il y a quelque chose que nous n'avons point vu, mesdames et messieurs. Hop. Donc, on y retourne. On va mieux regarder. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est sûr. Voyons. Est-ce qu'on est sûr qu'on peut pas ouvrir ça là? Ouais, et là-bas on est sûr. Parce que celui-là, il clignote quand même en rouge. Ah, il me propose rien donc. Je vois pas de bouton. On va aller revoir la commande en haut. Peut-être que la commande va nous proposer d'ouvrir. Putain, ça commence bien là. Non ! Bon, mais du coup, on va voir un petit peu combien de temps ça dure. Ça. On peut l'envoyer si on veut, évidemment. On l'a vu tout à l'heure. En fait, ça servira surtout pour nous éclairer, j'ai l'impression. Hein. Bon, le terminal. Voyons. Oh la vache, ça éclaire le terminal en rouge. Ah mais voilà, attendez, utilitaire. Non ? Ah non. Ah non. On l'a déjà fait ça. Donc non. Ah non. Non. Eh ben dis donc, c'est dingue ça. Bah alors. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Alors c'est là-dedans qu'il y a un truc que je n'ai point vu. Hein. Et si je passe à gauche? Je peux pas. On peut pas sauter par contre. Hein. Putain, les FPS, on peut pas sauter. C'est quand même de plus en plus rare. Mais non, on ne peut pas sauter. C'est assez bizarre. Bon, je crois que je vais virer mon fumigène parce que j'y vois encore plus mal que si je l'avais pas. Alors. Apparemment ça dure. Ah mais attendez, putain, voilà, ça on l'avait pas vu et non, y'a rien. Petit bug. Ah bah si, ça y est. Ah bah voilà. On l'a plus. Ah attendez. Oh putain, ah mais non, putain. Ah j'ai cru. Je pensais qu'en fait le bouton il était là. Mais non, ça me demande encore le soudeur ionique. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Attends, qu'est-ce que c'est que j'ai pas vu là? Attends. Le soudeur ionique. S'il faut, il est juste là, pas loin.
Bon, je vais virer mes fumigènes, là, ça me gonfle. Okay, quand même, même ça, j'y arrive pas. Ah, mais c'est un truc de fou, là. Mais c'est quoi ces conneries? Non mais y a rien là. Ben merde alors. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas vu sans déconner là? Putain, on est en train de perdre du temps pour rien. Me dites pas qu'on pouvait passer là en fait. Non, non, on peut pas, non, c'est sûr. Ben non. Ben c'est complètement dingue là ce qui se passe. Ça c'est une borne, c'est une borne ça. Qu'est-ce que c'est le jeu? Je sais pas, on le voit pas, mais c'est une borne ça de jeu pourtant. J'arrive pas à lire le nom. Écoutez, là, je comprends pas. À part revenir au début, mais après, ou alors il faut que je fabrique quelque chose. Peut-être alors? Non, non. Pistolet. Attendez, est-ce que... Ah, mais peut-être qu'en fait, je dois fabriquer le soudeur, là. Ce serait étonnant, mais bon. Agent collant, mélange... Non, non, ça doit pas être ça. Non. Ce serait très étonnant. Non. Bah dis donc. Bah écoutez, tant pis, hein, si je trouve pas, on va s'arrêter là. Hein. Bah, ça aurait été une vidéo assez pourrie. Moins bonne que les deux missions bonus, mais... Oh putain, il faut c'est ça. Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ouais, si tu veux... Bon, bah écoutez, je dois être bigleux. Ça, c'est pour sauvegarder. Je dois être bigleux. Ouais, parce que là... Ah, mais non, hein. Bon, 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 bon. Je ne sais pas quoi vous dire. Tout ce qui me reste à faire, c'est de revenir éventuellement au début. Donc bon. C'est pas génial ça, de revenir au début. Bon, ça m'étonne parce que j'ai été là
J'ai activé ce truc là. Ah oui, mais non, ça m'a permis de venir là. Ah, mais c'est dingue, hein. Sérieux. Je trouve ça ouf. Oh putain. Oh le piège à con. Énorme. Il fallait regarder en bas. Oh là 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 là. Oh la connerie putain. Oh la connerie. Il fallait regarder en bas. Putain. Oh la connerie putain. Oh là, la boulette suprême là. Sérieux quoi. Le seul endroit où j'avais pas regardé. Enfin, quoique. Ah si, ouais, c'est par là. Ah là 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 là, j'y crois pas. Oui, parce que ça m'étonnait vu que le dernier endroit qu'on avait découvert c'était ça. Donc forcément. Remonter là, j'imagine. Ah mais d'accord, en fait à chaque fois qu'il y a ça c'est qu'on peut remonter. Ah, ça va être pas mal pour pouvoir s'échapper de l'alien, tiens. Ouais. Et donc là on se retrouve, ouais, dans un endroit parfaitement inconnu. Tout est en train de partir en morceaux. On avait remarqué. Ah hein. Oh, on peut pas passer par là. Mais ça c'est quand même un peu débile quoi. Putain, regardez. Ça, moi, je vais vous dire un truc. Je ne peux plus supporter les jeux qui nous bloquent comme ça pour des conneries, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je supporte plus. Voilà, j'en ai soupé tellement des jeux comme ça que je veux plus voir ça. Je vois qu'on est fin 2014 et tout. On est censé être sur Next Gen et tous les défauts qu'on a vus dans tous les jeux depuis 15 ans, ils sont toujours là, quoi. Voilà. Regardez, je suis là. Je voudrais aller là-bas. Eh ben, je peux pas. Je peux pas traverser ça. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas. Non, ben non, ben oui, mais non, quoi. Putain, j'ai envie de dire non, quoi. Je trouvais ça hallucinant dans Resident Evil 6. Mais là, je pourrais dire la même chose, quoi. C'est pareil. Voilà, là, c'est pareil. Du coup, il y a que dalle à faire ici. Bon, il y avait sûrement une autre sortie. Bon, de toute façon, je crois qu'on va s'arrêter. Ça fait combien là? Ouais, c'est plus d'une heure. Après, j'aurai des problèmes pour le montage. C'est pas des conneries. Hein. Maintenant, j'ai un nouveau problème. D'ailleurs, je l'ai vu avec The Evil Within. Hein. J'ai eu un souci pour monter les 15 dernières minutes. J'avais plus accès à l'audio. C'est hallucinant. En fait, on est arrivé là, on était là, c'est ça? Ah non, non, en fait, non. Ah non, non, en fait, je suis obligé d'aller là-bas, du coup. Y'a que ça, hein. Ah ouais, puisque là. Alors, je peux pas y aller. Donc, il y avait que ça. Attendez. Et ouais, là, on est bloqué. Donc, je vais là. Là, y'a rien. Je vais ici. Ah non, non, mais en fait. Donc, il y avait encore un truc à faire. Eh, mais c'est dingue ça. Ça veut dire qu'il y a un truc à faire ici que j'ai pas vu, hein. Bon, on regarde juste là, on essaie juste de se débloquer cet endroit. Puis après on s'arrête là. On stoppe. Mais je vois pas trop ce que j'ai pu oublier là. Je pourrais activer un truc. Ah mais non, 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 j'y avais été là. Il y a un truc que j'ai pas vu là. Mais si. Sans déconner. Quoi? Mais. Ah mais je peux y aller là? Mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Sérieux. Qu'est-ce que c'est? Je suis à moitié bloqué. C'est vraiment n'importe quoi ça. Mais lol quoi. Quoi? Oh là là, que c'est con. Oh non mais alors là.
quoi? Ah d'accord, ok, maintenant je peux aller dedans. Oh là là, non mais ça c'est n'importe quoi. Ah non, alors là par contre. Oh non mais n'importe quoi, putain. Faut appuyer sur le petit bouton utilisé pour que le machin il se casse. Ouais non là. Écoutez, je sens que ça va me gonfler. Ah ouais non, je vous le dis. N'importe quoi, non mais n'importe quoi là. Vous vous rendez compte, on est bloqué par la moindre petite valise quoi. Rendez-vous compte. Je suis désolé, bon. Allez, grosse saccade. On se relève. Ah, c'était ça. Oh! Alors, on avait un bonhomme courir. Allez, nous aussi, du coup, on va courir. C'est quoi ça? Les effets de lumière sont vraiment sympas, par contre. Hein. Ouais, l'éclairage. Ouais, et regardez là, tiens. Éclairage, effet de lumière. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué par rapport à la génération précédente. Là, ils arrivent à faire des effets de lumière qui sont plus convaincants. Mieux réalisés. Et ils arrivent dès le début. Alors, ah, objectif mis à jour, passer par la salle principale. Objectif mis à jour. Si tu veux. C'est quoi tout ça là? Il y a des cadavres partout, c'est ça? C'est des sacs mortuaires, il y en a partout? Ici Turner, j'ai trouvé le dernier joint de transmission. Ça m'a pris un peu de temps, mais il est éteint maintenant. Je suis juste en train de fixer la dernière attache de sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite, on pourra se parler d'ici. Putain, mec, j'entends des bruits de partout. Le moindre craquement. Enfin, mêle-toi le cul, tu veux. Allez! Ah, c'est bien fait là. Il y a des jolis petits effets. Oh putain, encore ça, mais c'est pas possible. Encore l'espèce de générateur là. Pour l'instant, je dois bien vous avouer que je suis pas super convaincu par le début de l'aventure. Enfin, cela dit, on n'a pas encore vu l'alien, donc bon. Après, peut-être qu'on a eu du bol. Le truc, c'est qu'on sait pas du tout ce qu'on fait, on sait pas du tout où on va. On déambule du coup dans les couloirs là. Alors, outils de maintenance requis, donc je peux rien faire. Descendre. Ah non, ok, d'accord, en fait, on pouvait déjà aller là tout à l'heure. Rien ici. Pourquoi c'est entrouvert là? Soudeur ionique requis. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un mort. En fait, je viens de là. Putain, je m'y perds. Hein. C'est très labyrinthique. Oh non, c'est fermé. Putain, c'est quoi ça? Torche à plasma requise. Loul. Torche à plasma. Je peux rien faire du coup ici. Non, là c'est fermé. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter. Hein. Là non plus. Donc là, j'imagine que c'est fermé. Ah putain, il faut pas que je revienne quand même, c'est pas possible, non. Mais non. Mais non, faut pas que je revienne, non.
Attendez, sur la map, il me met un point d'exclamation. Ah non, c'est pour ça. Ah non, 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 attendez. Il me met un point d'exclamation où lui? Là? Putain, mais c'est quoi ces conneries? Il me met un point d'exclamation là? Alors, c'est dans l'autre pièce. Ah là! C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Voilà, outil de maintenance requis. Après, peut-être que je dois le créer, hein. Mais ça, vu que j'ai pas tout compris avec ce truc-là, agent collant, pistolet seringue. Ça m'étonne que je doive encore repartir. Vraiment, ça m'étonne. Ici on n'a pas tout vide. C'est marrant, ils essayent de nous faire peur en nous faisant croire qu'il y a l'alien et que et qu'il est là et tout, sauf qu'en fait il doit pas être là. Là-bas je peux pas y aller. Outil de maintenance requis. Voilà, par là, tiens. Fuck the Marshall! War Revolution! T'as vu grosse? L'ambiance est sympa, je dis pas. Maintenir pour se cacher. Non, non, c'est bon, c'est bon. On connaît. Alors, allez, on va sauvegarder. Et je crois bien que nous allons en rester là. Bon, écoutez, c'était pas une vidéo très palpitante. C'est marrant parce que je m'étais dit que ça serait la meilleure vidéo des trois. Mais en fait j'ai l'impression que c'est la moins bonne. Et ouais mais... j'y peux pas grand chose là. Après le hot dog, le big dog. Loul. Le big dog, c'est marrant ça comme nom. Hein. Le big dog. Oula, il y a un truc à faire ici, je le sens. Ici Turner. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cri de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter les poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Alors, il l'a bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Ah, attendez. Je vois une ouverture. Oula, ça a ramé. Ça a ramé du poney. Bon, pour l'instant, je trouve ça quand même assez moyen. Je vous le cache pas. Par contre, c'est grand. Oh la vache! C'est méga grand. Sauf que c'est des pièces, on sait pas trop quoi y foutre. Y a rien à faire. Là, on peut pas y aller. Outils de maintenance. Je sens qu'on va avoir une arme ou un truc. Il y a une clé à molette qui clignote. Et quand il y a une clé à molette qui clignote, on sait ce que ça veut dire. Mes bons amis, oh que oui, on sait ce que ça veut dire. Oh que oui. Oh que... Qu'est-ce que c'est ça? Mort de rire. Et pourquoi il y a un accessoire pour la Nintendo là? Ouais ouais, attendez. Ouais, clairement ça c'était le pad arcade pour la NES. Hein. Qu'est-ce que ça vient foutre là ce truc? Loul! Ah t'es là aussi. Ils font collection. Bon, je devrais arrêter. Clairement.
Ah mais clairement là il faut combien? Oh putain il faut arrêter. Faut arrêter. Allez, dernière pièce qu'on visite en haut et puis on arrête. Ouais, je suis pas méga emballé pour le moment. Pourtant j'aime bien encore une fois le design, le son et tout, mais après bon. Ça ne suffit pas hein, pour faire un bon jeu, vous le savez. Ah voilà, alors attends. Ramasser. Ah non, c'est un outil de maintenance. Oh là, il est toujours en vie. Non. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Ouais, allez, donne-moi ça. Outil de maintenance ramassé. Est-ce que ça peut faire office d'arme? Ah bah non, pas du tout. Oh là là, c'est-à-dire que maintenant, il faut refaire toutes les portes pour aller ouvrir là où on pouvait ouvrir maintenant avec l'outil de maintenance. Au secours! Au secours! Au secours! Ah bah attendez, voilà, là on peut, tiens. Voyons. Très utile, l'outil de maintenance. D'accord. Ok. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, on va se mettre ici. Voilà. Bon, mais c'était pas une vidéo très palpitante. J'ai l'impression que c'était pas une vidéo super, pas une vidéo top du top. Mais bon, bah, c'est comme ça, ça arrive. Début du jeu, pas génial quand même pour ce Alien Isolation, je trouve. Hein. L'ambiance est là, le design est là, le son est là. Il y a un moment, faut également que l'intérêt et le fun soit présent. C'est important. Allez, j'espère malgré tout que ça vous aura plu. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine.